comme un parfum d'aventure. Comment créer lorsque nous ne pouvons plus nous déplacer physiquement et géographiquement dans l'espace, lorsqu'il n'est plus possible de peindre sur le motif? Du déplacement, il ne reste ici que l'essence, le parfum. Les œuvres dépeignent les paysages tels qu'ils apparaissent dans la mémoire des artistes, des souvenirs, des impressions, parfois recomposées ou diluées par le passage du temps. À travers les lumières, les couleurs ou bien l'épaisseur de la matière, et suivant leur imagination et leur liberté d'improvisation, les artistes parviennent à nous transporter au cœur des reliefs parcourus, des paysages admirés et des profondeurs explorées. Dans les œuvres, les effluves de souvenirs et d'impressions établissent des passerelles entre le monde des sens et celui des idées. Différents univers et temporalités se superposent, qu'ils soient matérialisés par l'épaisseur des couches de peinture ou par la superposition de papiers découpés. Bien au-delà d'une réalité immédiate et troublant les perceptions habituelles, le virtuel offre de nouvelles possibilités de déplacement. Les artistes investissent des lieux hors de portée ou réimaginent des territoires voués à disparaître.